بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs du monde entier, une nouvelle journée de Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui nous permet de survivre. Assalamu alaikum mes frères et sœurs d'il Comore. Allahu Akbar, Allahu Wahid, Allahu Karim, Allahu Warrazzaq Zul Quwwatil Matin, Allahu Wal Khairur Rahimin, Khairur Raziqin. Mes frères et sœurs du Comore, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dieu nous a fait des musulmans. Pas beaucoup à dire. Attachez-vous à la religion, attachez-vous sur l'islam. Faut jamais laisser l'islam mes frères et sœurs. Le ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné là, mes frères, faut s'attacher à ça inshallah. Et aujourd'hui, on va faire doua d'il Comore pour que Allah leur donne hidayah et qu'ils restent avec l'islam et qu'ils soient forts sur l'islam et qu'ils soient 100% dans l'islam, qu'ils pratiquent l'islam 100%. Inch'Allah, on va faire le doigt là. Frères et sœurs, parlez avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos frères, parlez avec votre mari. Il faut leur parler de Allah, il faut parler de Allah entre vous. On n'a rien que ça. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, il faut pas regarder l'Occident, regarder le Coran Karim. Il faut pas regarder l'Occident, regarder le Sunna de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bientôt le monde là va finir. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wal mursalati urfan fal asifati asfan wan nashirati nasran fal fariqati farqan al mulqiyati dhikran udran aw nudhra innama tu aduna lawaqi fa idhan nujumu tumisat wa idha samaa'u furijat wa idhal jibal nusifat wa idha ar-rusul uqitat li ayyi yawmin ujjilat li yawmil fasli wa ma adrika ma yawmul fasli wa ilun yawma idhin lil mukadhdhibin sadaqallahu al azim. Mes frères et sœurs d'il Comore, s'il vous plaît, wallahi l'adim, restez sur l'islam. Il faut vous attacher à l'islam. Nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui ne sont pas musulmans, il faut leur parler, il faut leur convaincre, il faut faire ikram avec eux, il faut leur donner le kalima la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Il faut leur faire passer ça. C'est leur droit. Ils ont leur droit sur vous de leur transmettre le kalima de Allah subhanallah wa ta'ala sur le chemin de muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai confiance à vous, vous allez vous attacher sur l'islam. Bientôt, la vie là va finir et on va s'arrêter devant le cour pénal de Allah subhanallah wa ta'ala. Man ya'mal misqala zarratin khayran yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sharran yarahu. Inna Allah laysa bidhallamin lil abid wa razzaq dhul quwwatil matin. Mes frères et sœurs de Comore, il faut revivre le sunna de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, attachez-vous sur l'islam s'il vous plaît. Inch'Allah, allons-y avec notre doua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min ghayri ma sa'alaka min نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صدق الله العظيم. Oh Allah, nous te demandons toutes les bonnes choses que ton prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم t'a demandé et nous te demandons de nous protéger de toutes les mauvaises choses que lesquelles ton prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé d'être protégé. Et c'est avec toi seul qu'on obtient l'aide et c'est vers toi notre arrivée. Et il n'y a de force
et de puissance qui est par Allah. Ya Allah, il faut nous guider. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donner Hidayah Komor. Donne Hidayah Komor. Oh. Il faut nous faire rentrer dans ton paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire rentrer les frères et sœurs du Komor dans ton paradis. Allahumma amin.